Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes impromptu. Vous allez voir, il est vraiment génial. Donc vous allez faire mélanger le jeu par le spectateur. Donc déjà ça commence très fort. Ensuite vous allez reprendre le jeu et vous allez couper en deux. Et donc vous ouvrez le jeu comme ça. Vous montrez au spectateur qu'on a des faces cachées et des faces visibles. Et le magicien va retourner ses mains et on va distribuer des cartes comme ceci. On va alterner les cartes. Voilà, on fait ça jusqu'à la fin. Donc c'est pas évident. Parce qu'il faut pousser la carte comme ça, vous voyez, avec le pouce. Donc on continue. Oh bah là je me suis trompé, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Hop, hop. On fait ça jusqu'à la fin. Voilà, et ces deux cartes-là, on va les mettre au milieu, comme ceci. Bon. On égalise le jeu. Et là, on va vous demander au spectateur de couper le jeu en deux. Donc, il coupe le jeu en deux. Comme ça, où il veut. Il retourne ce paquet-là. Et vous lui demandez de faire un riffle shuffle. Donc, si c'est pas faire un riffle shuffle, vous lui faites faire une rosetta. Une rosace, comme ça. Un mélange rosetta en faisant une rosace. Vous lui demandez d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Comme ceci. Et là, à ce moment-là, c'est très important que le magicien se retourne. Vous allez demander au spectateur de distribuer 10 cartes à chaque fois, en commençant par la gauche puis par la droite. D'accord? Donc il va distribuer 10 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on a bien 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque une là. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien sûr, ça, c'est très important que vous ayez le dos tourné. Et vous lui demandez d'égaliser les deux tas. Et vous lui demandez de poser ses deux mains comme ça. Donc là, c'est pas évident de vous faire la démo puisque j'ai pas de spectateur. Et vous lui demandez de vous donner un des deux tas. Donc ça va être pour moi. Donc là, il n'y a pas de forçage, pas de choix équivoque. Donc imaginons, il vous donne ce tas-là. D'accord? Vous ne voyez rien. Vous prenez le jeu comme ça, vous le mettez dans votre dos. D'accord? Et vous demandez au spectateur de garder sa main sur son paquet comme ça. D'accord? Donc on va cacher avec l'étui ici, hop, comme ça. Donc j'ai vu avant, mais je ne sais pas l'ordre, hein, d'accord? Et donc vous mettez les cartes derrière votre dos et vous dites au spectateur, je vais essayer de mettre les cartes face visible, face cachée, exactement comme celles que vous avez sous la main actuellement. Et je n'ai rien vu depuis le début. Et vous n'avez rien vu depuis le début, ça c'est vrai, d'accord? Donc vous faites votre petit mélange spécial derrière. Vous revenez devant le spectateur, vous déposez votre jeu, vous lui demandez d'enlever sa main ici. Et on va vérifier si j'ai réussi à retrouver exactement le même ordre que son paquet. Donc là, premièrement, on a deux faces cachées, c'est bon. Ensuite, deux faces visibles, une face cachée, une face cachée, une face cachée, deux faces cachées, pardon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. J'ai tout bon. J'ai réussi à retrouver l'ordre des cartes, alors que je n'avais rien vu depuis le début. Et ça, c'est vrai, vous n'allez rien voir. Vous n'aurez aucune indication, puisque c'est automatique. Vous ne savez pas du tout l'ordre des cartes sous la main. Et vous avez pourtant réussi à mettre vos cartes dans le même ordre. Et je rappelle que vous ne regardez pas aussi les cartes que le spectateur vous donne, puisqu'elles sont dans votre dos. Donc ça, c'est encore plus fort. Donc c'est un super tour impromptu, en plus impromptu, donc qui utilise le principe de Gilles-Boeuf. Voilà, grâce à ce principe qui est formidable, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, vous allez pouvoir réaliser ce petit miracle. Donc là, le spectateur, comme je vous ai dit, peut mélanger tout le jeu. Vous prenez le jeu en main et vous ouvrez à peu près, vous coupez. Vous prenez le jeu en main et vous coupez à peu près la moitié. Et vous renversez ce paquet-là en main droite, comme ça. Vous retournez vos mains et vous dites, je vais mettre les cartes une à une, comme ça, je vais alterner les cartes. Vous commencez, alors vous retournez vos mains, et en fin de compte, c'est le pouce ici, vous voyez, qui décale la carte, qui va faire tomber les cartes. Donc vous retournez vos mains, et très important, vous commencez par la main gauche. Ça, sinon, ça ne marchera pas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est alterner les cartes parfaitement, les 10 premières. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai du mal à le faire, hein. Putain, c'est pas évident. 7, 8, 9 et 10. Et là, vous savez que vous avez alterné 20 cartes, donc 10 cartes, hein, à chaque fois. Donc là, vous pouvez alterner comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez en laisser 2, là, vous pouvez en mettre 2, peu importe, 2, 2. Et ce qu'il faut, c'est que à la fin, il faut vraiment les alterner parfaitement. Il faut qu'il y en ait plus de 6, d'accord?
Donc, quand vous sentez que vous n'avez plus beaucoup de cartes, là, je sais que j'ai plus beaucoup de cartes, vous voyez, là, je vais alterner vraiment parfaitement. Mais vous pouvez alterner parfaitement pendant tout le temps. Hein. Voilà. Mais vous pouvez en laisser tomber deux à chaque fois, vers le milieu. Et là, vers la fin, j'alterne vraiment parfaitement. Il faut qu'il y en ait 6 minimum. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, on va terminer par une phase visible tout le temps, ici. Vous terminez par une phase visible. Donc là, c'est bon, j'ai deux cartes. Donc là, je peux terminer par une phase visible. C'est très important. Si jamais vous avez, par exemple, on est comme ça. On est comme ça, par exemple. On est comme ça. Voilà, par exemple. Là, vous pouvez poser la carte face visible. Et là, vous avez deux cartes, par exemple, face cachée. Ce que vous faites, vous les reprenez, vous les mettez face cachée comme ça. Et vous les remettez où vous voulez au milieu du jeu. Là, vous récupérez le tout. Donc, ce qui est important, c'est d'alterner les 10 premières et les 6 dernières minimum. D'accord? 6 ou plus. Et si vous finissez avec des cartes, il faut toujours finir par une carte face visible. Et le reste, ce que, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Si vous avez une carte face visible et trois cartes face cachée, vous pouvez mettre la carte face visible, face cachée avec les autres, les trois. Et vous mettez les quatre cartes face cachée dans le jeu. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient face cachée. Là, vous récupérez le jeu. Et vous allez dire au spectateur de couper la moitié à peu près ici et de retourner ce paquet-là et de faire un riffle shuffle. Donc si c'est pas faire un riffle, vous faites une rosace, d'accord? Donc on fait un riffle ici et quand vous récupérez le jeu, vous le tournez ici et là vous retournez à ce moment-là. Il faut se retourner et vous dites vous allez distribuer 10 cartes à chaque fois. Vous allez commencer par la gauche puis par la droite, d'accord? Donc je me retourne. Vous retournez, vous ne voyez pas les cartes. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a bien 10 cartes, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous lui demandez d'égaliser les cartes. Vous avez toujours le dos tourné. Donc là, personne au monde ne peut savoir l'ordre des cartes. C'est impossible. Mais vous allez voir, vous allez faire un miracle. Vous lui demandez de poser ses deux mains. D'accord? Vous avez toujours le dos tourné. Vous lui demandez de vous donner un des deux tas, soit avec la main gauche, soit avec la main droite. D'accord? Donc imaginons, il vous donne ce tas-là. Vous avez le dos tourné, vous les mettez dans votre dos directement, ici. Et vous allez dire, je vais essayer de mettre dans le même ordre mon paquet que je viens d'avoir en main, par rapport à votre paquet ici que vous avez caché, qui est sous votre main, je ne connais pas l'ordre, je ne peux pas savoir l'ordre. Okay? Et donc dans votre dos, ce que vous faites, vous allez dire, je vais faire un mélange spécial, je vais essayer d'arranger les cartes. Vous retournez votre tas, donc ça vous le faites derrière votre dos. Et vous inversez les cartes, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et là, c'est miraculeux, vous allez voir. Donc là, vous revenez, vous posez votre tas. Le spectateur a toujours sa main. Pour la première fois, il va retirer sa main. Et là, vous dites, pour la première fois, on va voir vos cartes. Et ce qui serait miraculeux, c'est que j'ai réussi à mettre exactement dans le même ordre les cartes face visible et les cartes face cachée. Et c'est vrai que ça paraît impossible. Et donc là, vous montrez que déjà, là, c'est bon, il y a deux cartes face visible. Là, pareil. Là, pareil. Là, deux cartes face cachée. Deux cartes face cachées, deux cartes face visibles, deux cartes face cachées, deux cartes face cachées, deux cartes face visibles et deux cartes face visibles. Vous avez réussi votre défi, votre tour de magie. Et là, je vous promets que l'effet est dévastateur sur le spectateur. Le jeu a été mélangé, vous n'avez rien vu depuis le début. Ça paraît impossible, mais il suffit juste de retourner son tas, d'inverser les cartes. Et grâce au principe de Gilboeuf, vous pourrez faire ce miracle.